C'est assez exceptionnel de voir l'atelier comme ça. En général, il n'y a rien au mur. Les murs sont blancs. Et je travaille en général dans le silence. Enfin, peut-être en fin de journée avec un petit peu de musique, mais très peu. Et donc, voilà, donc c'est assez particulier, assez singulier. C'est seulement pour les portes ouvertes. Tu avances les choses, comment tu progresses. Maintenant, Delphine, tu vas nous toucher un petit mot sur ta technique, comment tu progresses, les étapes de travail. En fait, c'est très difficile de parler de la technique, en fait, parce qu'il n'y en a pas tellement, quoi. En fait, tout vient un petit peu pêle-mêle. Je commence à coller un petit peu, à voir. C'est un peu du hasard, quoi. C'est un peu du jeu du hasard que finalement j'organise petit à petit. Et il n'y a pas une voie tracée, en fait. C'est selon l'instant, le moment, l'humeur. Et puis petit à petit, en fait, je travaille à l'huile. Et je superpose des couches. C'est un travail très très long. En fait, ce tableau, c'est à peu près, je sais pas, 2-3 mois de travail, hein, où je reviens dessus, où il y a énormément de couches en fait dessous. Et le résultat final, en fait, enfin, c'est très difficile en fait de dire ça y est, c'est fini, j'y touche plus, quoi. C'est un travail en fait qui évolue au fil des heures, sans de couloir rigide et établi. Voilà. Bah là, c'est plus du grattage. Enfin, il y a pas mal de collages après que j'ai gratté, que j'ai un peu modifié. En fait, c'est là aussi, c'est un jeu de hasard, plus ou moins organisé. Voilà, enfin, c'est plus un paysage intérieur. Enfin, même toute la série, je pourrais les intituler paysage intérieur. Que dire Depuis combien de temps cette série remonte à elle remonte au mois de janvier en fait. J'ai commencé au mois de janvier jusqu'en septembre. Enfin, je les retouche toujours jusqu'à la dernière minute en fait. Ils sont un peu modifiés. Voilà, enfin là, c'est une étape. Donc voilà, vous êtes chez Delphine Barra, c'est moi, et bonne physique, bon atelier, bon parcours. Parfait.